Hello everyone. Bonsoir, bonsoir à tous. Once more again, welcome to our amazing and marvelous Bible study. We hope that everybody is alert and ready to be blessed this evening. As always, make sure you are subscribed to our YouTube channel and do not be selfish. Make sure you share this link with someone so that person can also be blessed as you will also be blessed today. Now, the goal of Bible study is usually for us to be able to kind of recapture and go and allow the man of God to go deeper on the Word of God and mostly the Word of God that was preached on the previous Sunday, just in case you missed it. So I am here, of course, with our fathers of the house. I am going to start on my furthest right. I am here with Dr. Moses. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas votre carnet de notes. Prenez note et posez-nous des questions. Dieu vous bénisse. Amen. And of course, with the father of the house, Apostle Guy Joseph himself. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Every day, I will be grateful to God to be sitting in this platform. Yet again, it is by His grace, which is the word that we are going to start with. But before we do start, I'm going to ask if Pastor Moses can go ahead and lead us into an opening prayer so we can allow the Spirit to guide us. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous présenter à tes pieds pour apprendre. Seigneur Jésus pouvait dire à Marthe que Marie a choisi la meilleure part. Seigneur, c'est parce que nous avons choisi la meilleure part que nous sommes là. Dispose nos cœurs, dispose le cœur de tout un chacun. Éloigne de nous tout esprit de distraction et donne-nous d'être focus et donne-nous l'esprit de la compréhension. C'est là même qui nous rend matures, qui donne la maturité à ceux qui l'apprennent et qui digèrent. Merci pour ton esprit qui conduit toutes choses. Que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. So, Apostle? Yes. Dr. Moses? Yeah. We're going to recap. We're just going to do kind of an overview of ce que l'apôtre a prêché dimanche. Yeah. And Apostle, je vais juste donner a couple of pointers of what you talked about on Sunday. And then after that, I will ask a couple of questions. On a besoin to see if you can go a little bit deeper and elaborate. So no just problem. To kind of, for those who did not watch Sunday's message, who were not in service, to make sure you go watch it. Dimanche, Apôtre, t'as parlé de la grâce. T'as dit que la grâce est trompeuse. Tu as utilisé le verset biblique dans un proverbe que beaucoup de fois, nous, on a entendu ça plus dans des sermons de mariage, que la grâce est trompeuse, beauty is vain, mais la femme qui craint l'Éternel is to be praised. Mais Apostle, tu as juste pris la première partie de cette verset and you wanted to elaborate more on it où tu as parlé de la grâce. So you said la grâce est trompeuse and that grace was already given to us when we were born. So you talked a little bit about that but you went a little bit in details about it. Et puis le deuxième point que je veux souligner, Apostle, tu as parlé de le fait que the reward. You talked about reward in two different ways. Tu as parlé de reward in the style of what you sow, you reap. But I do have a question about that. I'll get to it. To ask about what are we sowing? Good and bad, do we reap both? And how does that relate to la grâce? Et puis, troisièmement, Apostle, tu as parlé de la maturité. Quand j'étais un enfant, and now that I am older, I understand. So, ça, ce sont les trois points, les trois grandes lignes que tu as dû parler de les dimanches et que je voulais voir si tu peux un peu nous expliquer un peu dans la profondeur, un peu qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous expliquer ici quand tu prends ces trois grandes lignes-là et tu les mets ensemble. Amen. 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 Pasteur Moses va résumer. Pasteur Moses, c'est toi, qu'est-ce que tu... Oui, en effet, bon, pour ma part, comme toujours, hein, je viens dans la maison de Dieu avec une attente vraiment d'apprendre et surtout de recevoir quelque chose pour continuer la marche. Et dans cette attente-là, j'ai été vraiment, je dirais, béni ce dimanche parce que non seulement on a parlé de la grâce, mais on a aussi parlé de la loi de
la semence et de la récompense, et tout comme on a parlé également de la maturité. J'ai beaucoup aimé le sens de la maturité. Parce que vous voyez, dans le processus de la vie chrétienne, nous commençons en étant les bébés spirituels. Hein, après, nous devenons des disciples. Après, le discipolat, des serviteurs. Donc, il y a différentes étapes à suivre. Et c'est différent, pendant ces différentes étapes, comme il nous l'a démontré dimanche, nous appliquons notre vie à s'aimer ce que nous avons reçu. Parce que ce que nous recevons n'est pas pour nous-mêmes, mais nous devons la rendre. Pour résumer. Amen. Amen. Ouais, y a beaucoup de choses à dire. Je veux d'abord commencer sur le fait de la maturité. Amen. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30, le verset 15, ouais. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Ésaïe 30, verset 15. Oui, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la tranquillité ou la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Donc, quand je médite ça, j'ai un problème. Parce que pour la notion de force qu'on a, oui. C'est quelqu'un qui est robuste. C'est ça. Mais ici, la notion de force, c'est le calme et la tranquillité. C'est profond. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que pour nous, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui se défend, c'est quelqu'un qui réagit, c'est quelqu'un qui parle, qui en tout cas qui revendique son droit et sa position. C'est ça. Mais la Bible dit ici non, que la force, c'est le calme et la tranquillité. Ouais, mais ouais. Tu ne peux pas parvenir à un niveau de force et de tranquillité si tu n'es pas mature. C'est clair, c'est clair. Amen. Vous comprenez Amen. Un peu? Amen. Donc c'est pour dire que là où on est dans une crise où beaucoup de chrétiens restent des enfants parce qu'ils ne sont pas parvenus à ce niveau de développement. Yeah. Vous comprenez? Et avec la notion de la grâce qu'on a reçue, oui. Cette notion nous trouble. Oui. Parce qu'on ne comprend pas à quoi sert la grâce. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. La grâce, comme on l'a dit le dimanche, c'est pas ce qu'on croit, elle est trompeuse. Oui. Elle est trompeuse dans le sens où la grâce ne commence pas par nous. Non. La grâce, c'est Dieu qui décide de dealer avec lui dans les choix qu'il fait. Amen. Donc, il ne répondra à personne du choix qu'il a fait. C'est Dieu qui dit, il est mauvais, mais je le choisis par ma grâce. Donc, peu importe mauvais qu'il soit, c'est moi qui l'ai choisi. Oui. C'est moi qui deal avec ça. Oui. Donc, la grâce commence avant même que nous parvenons sur la terre. C'est pour ça que dimanche, on a dit que la grâce commence dans l'éternité. Oui, oui. J'ai aimé quand tu as dit ça. Voilà, c'est par la grâce qu'on est sauvé. Tout à fait. Ça veut dire que ceux qu'il a connus d'avance, il leur a fait la grâce d'être sauvé. Oui, donc oui. La grâce ne dépend pas de toi c'est c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est parce que le jour où tu vas penser que tu es dans la grâce, il se peut que ce soit le jour où la grâce t'ait quitté comme Samson. C'est clair. Vous comprenez un peu? Samson s'est dit, oh, je me délivrerai encore comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Okay. Ouais. Et donc, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, beaucoup de chrétiens se disent que comme Dieu leur donne, leur pardonne leurs iniquités, Dieu leur fait grâce de continuer. Oui. Ils ont fait une faute, mais ils peuvent avoir leur boulot. En tout cas, donc on reste dans cette position, ne sachant pas que cette grâce-là, elle ne dépend pas de nous. C'est la vrai. Grâce est du ressort de Dieu. De Dieu. Ok. Wow. Voilà. Ok. Donc. C'est pour commencer, grâce. Et vraiment, c'est très profond ce que tu viens de dire. On constate cela même dans la vie de Noé. La Bible dit que Dieu condamnait tous les humains de son temps. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Je raccole ça à ce que tu as dit quand tu dis que ça commence dans l'éternité. Et Paul aussi qui... Tu l'as cité, Paul, Galates 1, 14 et 15. Quand il a plu à celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère. Ouais. Okay.
tu vois un peu. Donc ça veut dire que, comme on dit, la grâce commence dans l'éternité. La grâce, c'est Dieu qui choisit. Il ne répond à personne. Il n'a d'explication à donner à personne. C'est ça la grâce. Tu comprends un peu? Mais lorsque vous voyez Abraham, Dieu le sauve par grâce. Parce que c'est par grâce qu'Abraham est pas Dieu allé vers lui dans Genèse 12. C'est ça. Mais après avoir marché avec Dieu, Dieu revient dire à Abraham maintenant, sois intègre. Au chapitre 17. Voilà. Et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Et moi, Dieu, je serai ta récompense. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça, c'est au verset 15, verset 15, verset 1. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit à Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ouais. Genèse ça veut dire que, 17. Voit, maintenant, Genèse 17. Non, ça, c'est Genèse 15, verset 1. Voilà. Donc, on voit que Dieu, maintenant, après avoir commencé avec la grâce, il ne finit pas avec la grâce. La grâce est toujours là, mais la grâce n'est pas ce que Dieu regarde. C'est ça. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça qu'on dit que dans la maison de Dieu, on a tous été sauvés par le même procédé. C'est ça. On est rentré par la porte de la grâce, oui, nous tous. Au moyen de la foi. On est au moyen de la foi, mais on n'a pas la même valeur. C'est clair. Et le système de valeur s'impose à nous en fonction de notre marche avec Dieu maintenant. Amen. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est pour ça qu'on disait que dans une maison, il y a différents types de vases. Il y en a d'honneur et il y en a de vil usage. Okay. Vous me comprenez un peu? Okay. Voilà. Parce que quand vous rentrez maintenant dans la maison de Dieu, l'élection se fait à partir de notre manière de marcher avec Dieu. Amen. C'est pour ça que quand on a lu la parabole le figuier d'abord, dans la salle où le Seigneur a fait venir des gens de partout, la parabole où il dit, je crois ici que c'est au verset 22-14, il dit, car il y a beaucoup d'appelés. Les appelés, c'est ceux que la grâce allait choisir. Tu comprends un peu? Matthieu 14, verset 1. Il dit, les appelés, Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais très peu de lus. Pourquoi il y a peu de lus? Parce que l'élection ne se fait pas par grâce. Oh, wow. L'élection se fait par notre comportement et notre relation avec Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça la notion de grâce. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on parle de la grâce est profonde, Pasteur Moses. Et tu as même dit quelque chose dimanche qui est très important. Elle est incomprise. Tu dis qu'elle est impolie et elle est incomprise. Et parce qu'elle est profonde, justement. Parce que c'est la grâce qui peut choisir quelqu'un qui ne sait pas parler comme Moïse. C'est-à-dire que pour parler pour Dieu, il faut être éloquent. Mais lui, Dieu, il s'en fout du fait que Moïse ne soit pas en mesure de parler. De son handicap. Il le choisit quand même. Partie. Ça c'est Dieu. Maintenant Moïse aussi doit respecter certains principes, sinon Dieu va le laisser en chemin. Et justement, mon bishop, pendant le chemin, la Bible dit que l'Éternel voulait le tuer, et là c'est sa femme qui vient, qui intervient. La question même a été posée aujourd'hui, pourquoi Dieu voulait le tuer, Pasteur Moses? Théologiquement, il y a deux raisons qui sont données. La première raison que la théologie nous fait comprendre, c'est que Moïse étant né dans une condition, dans une période, non pas du contexte de sa naissance, où on ne pouvait pas le circoncire à cause du fait que la circoncision fait mal, et le bébé va crier, et ça va attirer l'attention des voisins. Tout à fait. Donc, cet courant des théologiens disent que c'est Moïse lui-même que sa femme a circoncis. Bon, d'autres courants disent que le prêtre madianite ne pratiquait pas en ce temps-là la circoncision. Tout à fait. Donc les deux enfants de Moïse n'étaient pas dans l'alliance de Dieu. Et vice-versa. Donc voilà un peu ce que... En fait, c'est ça. Donc la question est, la réponse vous l'avez en direct sur le plateau. Amen. Donc quand vous lisez Romains 11 verset 19, la Bible dit que car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
Amen. Ça veut dire que quand Dieu nous donne quelque chose, il ne va pas reprendre. Yeah. Mais le problème, c'est que vous pouvez avoir la chose et parce que vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous n'allez nulle part malgré que vous avez la chose. C'est en cela que la grâce est trompeuse, Pasteur Moses. Ça veut dire que Dieu, il vous regarde. Tu comprends? Parce que quand on lit Romains 8, oui. à partir du verset 29, il dit, car ce qu'il a connu d'avance, oui. en temps normal, quand Dieu te fait un don, il t'a connu d'avance. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucune nouvelle information te concernant. Oui, oui, oui. Vous comprenez? Il connaît, il connaît ta vie depuis le commencement et c'est pour ça qu'il t'a donné ce qu'il t'a donné. Amen. Tu comprends un peu? Et la Bible dit qu'il t'a aussi prédestiné, il a mis une destinée devant toi. Tu comprends un peu? Mais comme Dieu dans sa sainteté, ce qui fait que Dieu est saint, c'est que Dieu ne viole jamais ta volonté. Il met toujours devant toi le bien, le mal. Et voilà, et il te dit choisis le bien. C'est en choisissant ce que tu choisis que Dieu marche avec toi ou il s'arrête avec toi. Amen. Tu comprends un peu? Donc il t'a prédestiné, il a mis une destinée devant toi. Il veut que tu marches dans ce chemin-là. Mais comme il n'est pas le diable pour t'imposer, il te permet de faire des choix. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent, croyant que tous nos choix vont plaire à Dieu. Quand en réalité, c'est nos choix qui déterminent où nous arrivons, où nous nous arrêtons. Tu comprends? Donc, les dons de l'Éternel, c'est vrai, sont irrévocables. On ne peut pas revenir sur les dons de Dieu. Tu comprends un peu? Mais la vérité, c'est que Dieu peut, si tu choisis de ne pas marcher avec Dieu, tu comprends un peu? Dieu met fin à sa collaboration avec toi, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit que ceux qui les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, il les a appelés. Donc, nous tous, nous sommes appelés. Oui. Maintenant, la Bible dit qu'il nous a justifiés. Oui. Pourquoi? Oui. Quand on parle de justifier, ça ne veut pas dire qu'on est les saints. Hein? Mm-hmm. Non. Il nous a justifiés lui-même pour répondre à nos manquements devant lui. Oui, pour ses propres besoins. Ça veut dire que quand on te regarde normalement, tu ne mérites pas ça, en fait. Tu comprends un peu? Donc, pour ne pas que les gens disent à Dieu, pourquoi c'est lui que tu as choisi? Dieu lui-même, il justifie pourquoi il t'a choisi. C'est pour ça que la Bible dit qu'Abraham fut trouvé juste. Yes, yes. Tu comprends? C'est Dieu qui l'a justifié. Tu comprends un peu? Donc, la justice dont on parle, ce n'est pas que oui, tu fais ce que tu veux et puis Dieu t'a dit à justifier. Non. Il justifie dans le choix. Parce que le verset parle de l'appel, de la prédestination et du choix qu'il a fait. Il t'a aussi justifié. Tu comprends un peu? Donc, cette justice-là ne te donne pas le droit de faire ce que tu veux. Mais, apostle, ce n'est pas. Mais. Où tu parles de cette justification et ne donne pas le droit de faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas là que tu penses que les chrétiens ont jugé, beaucoup sont confuses parce qu'on a tendance de confuse la grâce avec the lack of repercussion. Souvent, quand tu es dans le mauvais chemin, même si tu as été, toi, apostle, tu as été lié la grâce sur le fait que it was already given to us since birth. It was something that was predestined pour nous. Mais nous, c'est comme si on comprend la grâce as a replacement of consequences. Non. La grâce nous préserve de vivre nos conséquences. Voilà pourquoi plusieurs d'entre nous continuent dans une certaine vie de malédiction, de péché, une vie de confusion, mais de ne pas vraiment être alliés avec Dieu. Parce que quand on get close to la grâce de Dieu, on se dit que la grâce remplace the repercussion. En fait. Non, mais c'est ce qui est dangereux. Parce qu'il faut comprendre que la grâce, ça ne dépend pas de toi. La grâce dépend de Dieu. Amen. C'est ce que je dis dès le début. Amen. La confusion que nous avons, c'est que parce qu'on est dans le temps de la grâce, parce que Dieu ne nous tue pas comme il nous tuait avant. Yes. Tu comprends? Parce qu'avant, dès que tu pèches, Dieu te frappe en même temps. Yes. Et comme Jésus est venu, on dit généralement que Jésus a enlevé ce qui tuait en Dieu. Yes. Tu vois un peu? Donc, ça nous donne le droit de faire ce qu'on veut. Yes. Mais le problème, c'est que ce qu'on fait n'annule pas la loi que Dieu nous a imposée, qui dit que ce que un homme aura semé, c'est ce qui va moissonner, bon comme mauvais. Ça veut dire que chrétien ou pas, sous la grâce ou pas sous la grâce, ce que tu sèmes sous la terre, tu vas moissonner. Donc la grâce de Dieu peut intervenir à plusieurs niveaux, mais ça n'annule pas les conséquences dans nos vies. Cette mentalité, elle est fausse. Est-ce que tu comprends un peu? Et je vais aller plus loin encore. Paul dit, pasteur Moses, je ne sais pas si tu voulais lire quelque chose. Non. Paul dit, regarde, il dit,
Il dit, je suis ce que je suis. Oui, c'est ce que lisait. Par la grâce de Dieu. Dieu. Ouais. Tu comprends un peu. Yes. Mais 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, verset 10. Oui, verset 10. Faut lire, Pasteur Moses. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mm-hmm. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mm-hmm. Amen. Loin de là, mm-hmm. j'ai travaillé plus que tous, mm-hmm. non pas moi toutefois, mm-hmm. mais la grâce de Dieu qui est en moi. Continue, Amen. Continue. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Mm-hmm. Et c'est ce que nous vous, et c'est ce que vous avez cru. Maintenant, on va revenir sur ce verset. Regardons le verset où Paul a prié trois fois. Ça veut dire quoi? Paul a découvert qu'il avait un problème. Oui. Vous comprenez? 2 Corinthiens 10. Donc, quand Paul découvre qu'il a un problème, il va vers Dieu. Amen. Et il demande à Dieu d'enlever sa douleur. C'est ça. Tu comprends? Yes. Et Dieu lui répond pour lui dire non. Il dit que ma grâce te suffit. Mm-hmm. 2 Corinthiens 12, verset 9. Pasteur Moses, il faut lire rapidement. Pour une meilleure compréhension, verset 8. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Arrêtons-nous là, c'est un mystère. Yes. Bon, j'ai gâté un message for free. Oh, okay. Donc, on peut parler d'autre chose. Hein. On n'est pas obligé de parler de ça, parce, parce qu'en réalité, c'est très fort. Yes. En fait, quand vous voyez ça, il prie, il va vers Dieu, oui. il demande à ce que Dieu le guérisse. C'est ça. Mais Dieu lui dit, j'ai pas besoin de te guérir, je veux te donner quelque chose qui est supérieur à la guérison, qu'on appelle ma grâce. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'avec ma grâce, oui. Hein, oui. malgré tes faiblesses, tu peux faire plus que ce que tout le monde fait quand ils sont forts. Waouh. 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 Ça, c'est pour ça qu'il dit c'est gaspillé, faut fuir. Non, c'est pas gaspillé. Le commentaire vient après. Non, je viens. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Yes. Ça veut dire qu'il prie pour que Dieu le guérisse. Oui. Et Dieu veut lui faire comprendre que je t'ai donné quelque chose qui va au-delà de la guérison. Amen. Ça veut dire que malgré que tu souffres, parce que ma grâce est là, la maladie ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Amen. Donc quand Paul dit, la grâce n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tout le monde. Oui. Vous savez que finalement, quand la grâce est dans la vie de quelqu'un, c'est ce qu'il disait, elle vient avec un potentiel. Une habilité de pouvoir faire des choses que toi-même, tu ne peux pas faire. C'est pour ça que maintenant, Paul va plus loin pour dire, je me glorifierai donc bien volontiers dans mes faiblesses. Les faiblesses dont il parle ici, ce n'est pas les faiblesses de la chair. C'est ici que vous devez comprendre que la maturité devient plus grande. Amen. C'est ça. Non, mais Amen. C'est bon. Honestly, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il dit je me glorifierai plus volontiers dans mes faiblesses, pourquoi vous avez enlevé mon verset? C'est la suite du verset 9. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis faible, je ne dépends plus de moi. Dieu nous a piégés. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pense qu'on est fort, Dieu, lui, il se retire. Tu comprends? C'est pour cela que parvenir à un niveau de maturité est très important. Amen. Vous n'allez pas voir Dieu intervenir dans votre vie aussi longtemps que vous pensez que vous-même vous êtes fort, que vous-même vous pouvez régler le problème. Mais lorsque vous abandonnez totalement entre les mains de Dieu, Dieu se sent obligé de produire quelque chose dans vos vies. Et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, comme je disais au début, au fur et à mesure qu'on avance, on pense que la force se trouve dans nos réactions. Non, la force est dans le calme. Pourquoi? Parce que lorsque je commence à réaliser que je ne peux pas, je donne maintenant l'occasion à Dieu de... Mais ça demande une certaine maturité pour regarder une situation que tu traverses et ne pas paniquer et t'appuyer sur Dieu. Sur Dieu, justement. Et cette leçon-là, le prophète Élie l'a bien appris.
Dieu lui donne rendez-vous dans la grotte. Et la Bible nous dit que dans cette grotte-là, il a senti un tremblement de terre. Dieu n'y était pas. Et il a senti tout ce qui pouvait être force et puissance. Dieu n'y était pas. Mais dans un murmure douce, c'est là qu'il se trouvait l'Éternel. Amen. Ça veut dire que, Pasteur Moses, c'est terrible, quoi. Ce Dieu-là me fatigue. Well, ton verset d'introduction, non, ouais, c'est toujours dans ma tête. Hein? Esaïe 30, 15. Pasteur Moses, attends d'abord. Tu vois, excuse-moi, hein, mais comment je peux me réjouir dans mes faiblesses? Tu vois un peu, nous on a réduit ces faiblesses à nos désirs de la chair. Yes. Oh, oui. Alors qu'en réalité, c'est face à nos incapacités. Yes. Dieu ne nous a pas créés indépendants. Dieu ne nous a pas créés de telle sorte qu'on soit en mesure de vivre sans lui. On ne peut pas vivre sans Dieu. Amen. C'est clair. On aura toujours besoin que Dieu intervienne. Amen. Parce qu'il nous a rendus dépendants de lui. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Donc toute sa créature dépend de lui. Lorsque la créature arrête de dépendre de Dieu, on rentre maintenant dans la rébellion. Wow. Ça veut dire que la rébellion, le péché dont Jésus est venu nous sauver, là, ce n'est pas l'impudicité ni l'adultère d'abord. Hein. Oui. Le oui. péché, c'est le péché de la rébellion. Yes. Ça veut dire que je peux vivre sans Dieu. Wow. Tu comprends un peu? Yes. C'est à partir de là maintenant que d'autres péchés viennent. Yes. Mais le premier péché, là, c'est la rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est crier son indépendance. Yes. C'est-à-dire que tu vois des jeunes, ils disent, oh, je suis grand, je peux faire ce que... C'est une rébellion vis-à-vis de leurs parents. Oh. Tu comprends un yes. peu? Et vis-à-vis de Dieu. Yes. Parce que ta vie ne t'appartient pas. That's tu right. n'as pas le droit de choisir ce que tu veux choisir. That's en right. griffe. Tu vois un peu? That's tu right. dépends de Dieu. Yes. Donc, Paul est en train de nous dire ici que plus je découvre mes faiblesses, plus je me rassure. Oui. Oh God, vous ne pouvez pas comprendre. Plus je découvre mes faiblesses, plus je me repose sur Dieu. Justement, mais pour pouvoir te reposer sur Dieu, ça va te demander de la maturité. Oui, pour comprendre que Dieu est capable. Parce que tu ne peux pas rester calme lorsque tu es un enfant. That's right. Ouais. C'est pour cela que Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oui. Et c'est ce que je disais dimanche, Dieu ne fait pas disparaître les choses pour nous. Amen. En tant que chrétien, on a l'impression que Dieu va tout faire, la grâce va tout faire. Non, la grâce peut être disponible, mais elle peut être bloquée à cause de notre manière de faire les choses. Exact. Tu comprends un Absolutely. Peu? Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, Pasteur Moses, pour revenir à ton verset que tu dis que tu aimes, il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve ma force. Yes. Non, vous êtes j'aime ce verset. Non, je ne vais plus parler. Parlons de ce qu'on a dit dimanche. Non, preach, apostle. Non, this is powerful. Non, parce que, regardez Jésus devant Pilate. Oui. Pasteur Moses, je veux que tu pictures l'image de Jésus devant Pilate. Non. La Bible dit que Pilate lui pose une question. Et il leur a dit, es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. Maintenant, Pilate lui pose... Attends, non, il faut qu'on lise ça. Parce que j'ai pas envie de Matthieu 27. Amen. Donc, Matthieu 27. Yes. Je n'ai pas en train de poser les bonnes questions. Non, Matthieu 27, verset 11. Yes. La Bible dit, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Il dit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Verset 14. Et Jésus ne lui donna point de réponse sur aucune parole, ce qui étonnait beaucoup le gouverneur. Pasteur Moses. Ouais. Tu sais, la cassica. Amen. Il dit que tu arrives à un niveau de ta vie où tu comprends que quand tu réponds, c'est parce que tu es encore faible. Amen. Parce que la force,
Vous comprenez pas. Amen. Parce que Moïse, imagine le créateur devant sa créature. Oh, et la créature demande au créateur de lui répondre. Et le créateur le regarde et puis il ne parle pas. Come on, Jesus. C'est, tu vois que ici, la maturité dont on parle, ce n'est pas la capacité de te défendre. Tu comprends, quand aujourd'hui les gens grandissent avec Dieu, plus ils grandissent, plus ils sont prompts à réagir. Il y a des choses pour lesquelles... Bon, supposons que le gars, il se demande, mais attends, tu ne comprends pas que moi, j'ai le droit de vie et de mort sur toi. Ce que je décide aujourd'hui, là, c'est ce que ta vie sera. Mais il a atteint un niveau de maturité où il comprend que il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Parce que s'il ne meurt pas, il ne peut pas nous sauver. Il ne peut pas accomplir sa destinée. Donc il y aura des moments dans ta vie où des choses vont arriver dans ta vie. Il faut que tu passes par ces choses-là pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais parce que tu ne comprends pas, toi tu te plains et tu murmures. Mais Jésus, à cause de son niveau de maturité, il ne répondit pas. Même un mot, jusqu'à le gouverneur dit, mais attends, je te comprends pas. Tu, en temps normal, tu c'est ici que tu dois te défendre. Et c'est ce tu vois que je suis de ton côté. Et c'est ça, parce que la femme du gouverneur lui avait dit, j'ai fait un songe. Faut pas condamner ce monsieur, c'est un innocent. C'est pour ça que quand il a fini de discuter avec Jésus, il a lavé ses mains pour dire que le sang de Jésus ne tombe pas sur moi, que ça tombe sur vous. Tu comprends? Donc il était prêt à défendre Jésus. Mais là où Jésus devait se défendre, il ne défend pas. Pourquoi? Parce que arrivé à un niveau, lorsque vous êtes mature, vous comprenez qu'il y a des chemins dans vos vies où vous devez passer pour devenir la personne que vous devez être. Amen. Le manque de maturité fait qu'on se plaint de tout, yes. on pleure pour tout, yes. on prie pour tout, yes. alors qu'il y a des sujets de prière qui ne vont même pas monter vers Dieu parce que c'est le plan pour que tu passes pour arriver là où tu dois arriver. J'ai aimé dimanche quand tu as dit, on demeure un enfant, parce qu'un enfant qui avait bonbon, il pleure. Yes. Quand il veut de l'eau, il pleure. Yes. Et quand il voit quelque chose dans ta main, aussi longtemps que tu ne lui as pas donné, yes. il fait quoi? Pleurer. Yes. Et c'est ça. Et tu vois pourquoi c'est important. Et comme je disais, parlons du figuier dont on a parlé le dimanche. Le figuier, il se détruit lui-même. Tu comprends? Il se détruit lui-même. Ce n'est même pas une question du diable. Hein. C'est toi-même qui te détruis parce que tu n'es pas en train de porter du fruit. Mais les fruits que tu vas porter là, c'est ce qui va te donner de pouvoir être rentable. C'est ce qui va te donner de faire du profit. Mais tu refuses de porter du fruit parce que tu refuses de grandir. Et donc tu es en train d'occuper la place inutilement. Ça veut dire que tu deviens un propre frein à la destinée de Dieu. Parce que Dieu utilise les hommes pour accomplir son plan. Et ça, Bishop, tu vas continuer. Le Seigneur Jésus le dit bien aux pharisiens et sadduciens. Il dit, non seulement vous n'entrez pas dans la bergerie, mais vous vous tenez à la porte et vous empêchez ceux qui veulent entrer d'y entrer. Et c'est là qu'il a prononcé malheur aux pharisiens. Donc tu vois que aujourd'hui, parce que Moïse, l'Église est là où elle est à cause des enseignements qu'on a donnés à l'Église. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, regarde, tout ce qui t'arrive, comme je te disais tout à l'heure, tout ce qui t'arrive, ce n'est pas d'abord toi que ça concerne. C'est deux royaumes que ça concerne. Ça veut dire que les combats dans ta vie ne sont pas tes combats d'abord à toi. C'est le combat du monde des ténèbres contre le royaume de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu es rentré dans le royaume de Dieu, tu es devenu sujet à ce combat-là. Donc, peu importe les difficultés grâce que tu peux avoir dans ta vie, ce ne sont pas d'abord tes difficultés. On ne doit jamais oublier ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque ça concerne nos vies. On a l'impression que lorsque nos vies sont attaquées, Dieu s'en fout, quoi. C'est Dieu qui veut nous punir. Non, on est dans un combat. Tu dois comprendre que ton attitude dans le combat va déterminer le reste. Vous me suivez un peu. Et c'est le manque de maturité qui fait que tu entends des chrétiens, lorsqu'ils traversent quelque chose, la première chose qu'ils vont faire, c'est dire, moi, je ne viens plus à l'église.
Ouais, ouais. Moi, j'arrêtais de discuter. Ils arrêtent carrément le processus. J'arrête de discuter avec quelqu'un qui me dit ça. Yes. Parce que tu ne comprends pas que quand tu es encore un enfant, tu es toujours joyeux quand tu as les bonbons. Yes. Ça veut dire que quand tout va bien, ta joie est là. Yes. Mais quand les choses commencent à aller mal, un enfant commence à se plaindre. Yes. Il commence à murmurer. Yes. Mais celui qui est mature, nous, on a appris à louer Dieu même quand on pleure. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Ouais. C'est ça qui fait que Jésus peut regarder le plan de Dieu qui est devant. Yes. C'est un plan douloureux. Yes. Mais il doit partir par là. Yes. Tu as réveillé quelque chose dans mon cœur. Vas-y, vas-y. Il dit, ceux qui portent les germes avec des pleurs moissonneront et reviendront avec des chants d'allégresse. Amen. Amen. Ça, c'est une promesse de Dieu. Ça, ça veut dire que je découvre que dans tous les combats où nous sommes là, c'est le diable qui veut prendre contrôle. C'est ça. Et malheureusement, le manque de maturité fait que vous lui donnez votre paix, vous lui donnez votre joie, vous lui donnez le contrôle sur vos émotions. C'est ça. Et vous empêchez Dieu maintenant de manifester sa gloire. Oui. Jésus décide de ne pas parler. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, hein, quand ils sont venus chercher Jésus, on dit, où est Jésus de Nazareth? Il dit, c'est moi. Quand il a dit, c'est moi, eux tous, ils sont tombés. Sont tombés. Donc, imagine si Jésus parlait devant Pilate. Et il a dit à Pierre, il dit, il suffit d'un mot. Oui, j'arrive. Mon père. J'arrive. Ça veut dire que la force... C'est la capacité de réagir, mais de décider de ne pas le faire. Simplement parce qu'il y a le plan de Dieu à accomplir. C'est la capacité de te venger, mais décider de pardonner. Tu ne pardonnes pas parce que tu es faible. Tu pardonnes parce que tu es supérieur à celui qui t'a offensé. Tu comprends un peu? Ça veut dire que tu comprends que dans ce qui se passe entre toi et ton mari, ta femme, ton enfant, tes amis, le diable cherche à avoir le premier, le contrôle. Tu ne lui donnes pas le contrôle. C'est pour ça que moi j'ai horreur des gens que lorsqu'ils ont des problèmes, automatiquement c'est les problèmes des autres qui pointent. C'est un manque de maturité. Absolument. Tu comprends un peu? Absolument. C'est un enfant qui va dire, mais pourquoi tu as fait ça? Il va dire, papa, il a fait même, Guy Josie a fait. Ouais. You know? Quand tu es mature, tu deals avec tes problèmes toi-même. Yes. Tu ne vas pas rendre... Non. Mais apostle, you don't think c'est parce que pendant les années, on nous a enseigné que quand tu es dans le Seigneur, il y a certaines choses que tu ne mérites pas. Like you don't deserve this, you're supposed to be in abundance, everything is supposed to be great. So that's what happens where on se sent comme si on doit se défendre parce qu'on se dit que en tant qu'enfant de Dieu, there's certain things that shouldn't happen to us. Ça ne doit pas nous arriver. Parce que là où je suis d'accord avec toi. Yeah. Ça veut dire qu'on s'est dit que comme on est chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas souffrir. Mais je suis désolé, j'ai dit ça une fois ici. Ça veut dire que j'ai pensé que quand j'étais chrétien, je n'allais pas souffrir. Mais en grandissant, j'ai compris que je ne souffre pas de la même souffrance que le païen. Ça veut dire que quand le païen souffre, il n'a pas d'espérance. Mais moi, dans mon cœur, il y a une espérance. Tu comprends un peu? Il y a une espérance qui me dit que t'inquiète, il faut continuer. Et c'est ce que l'ennemi essaie de tuer en nous. Ça veut dire que lorsque nous traversons des problèmes, l'ennemi veut détruire la force qu'on a de vouloir se relever. Amen. Vous comprenez? Vous sombrez dans la dépression. Vous comprenez? Vous pensez que oui, Dieu ne vous doit rien. Je suis désolé. Amen. Dieu ne nous doit rien. Tout est grâce. Amen. Et il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Amen. Je ne sais pas si tu dis Amen. Mais c'est qui moi m'intrigue, Pasteur Moses? Et puis, je méditais ça aujourd'hui, j'ai dit, mais Jésus est dangereux. Il est dangereux, ma fille. C'est-à-dire qu'il le regarde et puis il rit. Parce qu'il avait dit, si je veux me défendre là, je peux appeler une légion, 12 légions d'anges. Yes. Pour détruire tout ça. Pouvez détruire tout ça. Yes. Mais il choisit de ne pas le faire simplement parce qu'il y a la volonté de Dieu à accomplir. That has to be accomplished. C'est ça la maturité. Amen. Ça veut dire que tu n'arrêtes pas, tu te déconnectes de tout. Il dit, non, Dieu, camarade, allons doucement. C'est pas comme ça. C'est un manque de maturité. Amen. Et c'est ça qui fait que souvent, moi, je préfère ne plus parler. Amen. Quand je suis en face de tel case, je compatis, mais je comprends que la personne n'a pas encore rencontré Dieu. Amen. Parce que
Dieu se glorifie de tes faiblesses. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce dont on parle, elle va prendre le dessus lorsque devant cette incapacité, tu dis au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas. Amen. Mais donne-moi la force d'y aller. Amen. Tu ne choisis pas d'arrêter un coup. Amen. Non. Et tu viens et c'est là maintenant Dieu utilise cette situation et pour pouvoir te faire sortir de là. Yes. Tu es comme l'or brut. Yes. Hein? C'est-à-dire en tant que brut, l'or n'a pas tout son éclat. Yes. Mais les épreuves là vont te purifier et quand tu sors de là maintenant, tu sors tout flamboyant. Tout flamboyant. Mais apostle, j'ai une question à propos de faiblesse. I know that a lot of times, en tant que chrétien, we really have focused, or the church, comme tu as dit, and you know I'm always looking for somebody to blame, right? So I'm still a child in this part. Apostle, l'Église nous a enseigné que ils ont plus mis l'accent sur la faiblesse dans le comportement extérieur que nous voyons. Okay, but the way you're explaining it right now, it seems to me like one of those big weaknesses dans lequel qu'on peut venir devant Dieu, puis Seigneur, je ne peux plus, is when you no longer have the strength to, par exemple, get out of depression, or strength. Can you explain those weaknesses? C'est quoi? Parce que I want us to be able to align it to something that makes sense. Ça veut dire que nous on vit dans une société où l'aspect extérieur compte le plus. Yes. Malheureusement, dans l'église aujourd'hui, on continue de mettre l'accent sur l'extérieur. Yes. Ça veut dire que vous allez voir des gens qui dépensaient des millions juste pour leur aspect extérieur. Yes. Sans comprendre que lorsque tu traverses une crise, ta beauté n'a plus de valeur. Come on. Quand tu traverses une crise, tes abdos ne servent à rien. Quand tu traverses une crise, tes biceps ne te servent à rien. Jesus. Parce que tu peux être fort physiquement, mais quand le cancer vient, c'est là que tu vas chercher la force intérieure. Come on, Jesus. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas parce que l'ennemi, il ne t'attaque pas parce que tu es arrivé là. Oui. Mais il t'attaque pour ne pas que tu arrives où tu dois arriver. Oh, wow. Tu comprends? Yes. Donc, je voulais te rappeler ça parce que tu as dit nos combats à deux niveaux. Yes. D'abord, l'ennemi nous attaque parce que nous faisons partie de l'équipe de Dieu. Yes. Et là, tu viens de sortir le deuxième. Mm-hmm. Il t'attaque aussi par rapport à ton futur, par rapport à la génération qui vient après toi. Amen. Imaginons que Jésus avait cessé le jour-là d'avancer. Que serions-nous devenus aujourd'hui? Yeah, ça veut dire que il y a des gens, quand tu les regardes, they look strong. Yeah. Mais en réalité, they are not. Il suffit d'une petite épreuve. Mm. C'est pour ça que la Bible dit que si tu faiblis au jour de l'adversité, ta force n'est que faiblesse. Yes. Parce que c'est dans l'adversité que tu peux analyser à quel niveau de force tu es. Yeah, my God. Yeah. Tu comprends? Donc aujourd'hui, nous, on investit pour une force extérieure quand en réalité, la force dont on a besoin, c'est la force intérieure. Amen. C'est cette force-là qui te donne de te lever malgré ce que tu vis et de croire que Dieu est toujours capable de faire. Amen. On ne te parle pas de colère. La colère, ce n'est pas la force. Ok. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont forts parce qu'ils sont coléreux. Mm-hmm. Non. Mm-hmm. La colère, je le répète, ce n'est pas la force, c'est une faiblesse. Lorsque quelqu'un est colérique ou coléreuse, elle est faible. Yeah. C'est son seul moyen de réagir. My God. Mais lorsque quelqu'un est fort, il est calme. Mm-hmm. Il faut avoir peur des gens qui sont calmes, ok? Maintenant, apostle, le calme là, c'est pas calme où you don't speak and don't say anything, but le calme is when you find. I'm going there. Ok. You know, la force intérieure là, tu comprends un peu? Yes. Elle est en toi. Yes. C'est elle qui te donne la paix malgré ce que tu traverses. Amen. Tu comprends un peu? Parce que on ne peut pas dire que tu es fort et puis tu as une mauvaise attitude dans l'adversité. Si. Je suis désolé. Amen. La force là, c'est l'attitude que tu as dans l'adversité. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yes. Tu n'es pas nasty. Tu ne deviens pas amer. Yes. Non. Yes. Et parce que non, c'est pas ça la force. Yes. La force, c'est que malgré ce que tu vis, tu ne
ne change pas. En d'autres termes, ce que tu vis ne te change pas. That's right. Mais lorsque ce que tu vis te change, c'est un signe de faiblesse à un niveau, vous n'avez pas idée. Peu importe les excuses que vous pouvez vous donner, c'est une réalité. Come on. C'est pour ça que vous prenez des gens comme les Daniel, ils ont traversé des moments, mais les moments-là, ils ne les ont pas traversés. Come on, Jesus. Vous comprenez? Yes. Tu ne peux pas dire que tu es fort avec une mauvaise attitude. Come on. Tu ne peux pas dire que tu es fort parce qu'il n'y a pas quelque chose à la maison, tu commences à bouder. Non. Come on, Jesus. C'est de la comédie spirituelle. That's right. Tu comprends un peu? That's right. La force dont tu as besoin, là, c'est ce qu'on avait vu, le Kratos. C'est une force intérieure. Yes. C'est une force qui te pousse à aller à la croix. Yes. C'est le Jésus qui prie à Gethsémané. Oui. Yes. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais c'est le Jésus qui reste silencieux devant Pilate. Yes. Oui. Oui. Ça veut dire que la force, là, c'est la capacité de ne pas parler de ton problème aux gens, mais d'aller te plaindre chez Dieu. Come on, Jesus. Mais lorsque tu ne pries même pas, mais tu parles de ta situation, il a fait ceci, elle a fait cela, tout le monde sait, mais Dieu qui peut te faire sortir de là, tu ne vas pas vers lui. My God. My God. I don't know. My God. I just don't want to, you know. Apostle, is weak, is this type of weaknesses also, c'est quand nous prenons des décisions ou bien prendre des solutions en dehors de Dieu ou bien de la parole de Dieu. Is that also considered weakness? Quand on prend des décisions with our own strength, thinking that we're solving la situation, nous sommes en train de régler le problème. C'est une faiblesse. Okay. C'est une faiblesse parce que lorsqu'on parle de force intérieure, que je dis par exemple, il faut savoir d'où elle vient. Mm. C'est pas une force que tu achètes à Walmart. Comment? C'est pas une force que tu as quand tu finis de boire. Non, rien du tout. C'est une force qui vient du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Ça veut dire que la force intérieure dont on parle, là, quand tu prends Jude 1, le verset 20, oui. Jude 1, verset 20, s'il vous plaît, il dit quelque chose. C'est un verset avec lequel on a grandi. Il dit, Jude 1, verset 20, il dit 20. Le verset 20. Il dit, pour vous bien-aimés, édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Lis en anglais, Grace. For you, beloved, building yourself up on the most holy faith, praying in the Holy Spirit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force, ma vie, elle ne vient pas parce que tu dis que tu es fort. Come on, Jesus. Non. Come on, Jesus. La force dont on parle intérieure, c'est peut-être ça que j'ai prêché dimanche, c'est une force qui se construit dans le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Come on, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui va te donner cette force-là. Yes. Yes. Qui va faire que peu importe ce que tu traverses, tu vas traverser sans que ça te traverse. Oh, non, mais si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, si pendant l'adversité tu ne pries pas, tu as un problème. Yes. Maintenant, il dit que tu construis cette force en priant en langue. My God. Il faut comprendre pourquoi il parle de prier en langue. Yes. Parce que lorsque tu traverses des moments, parce que Moses, parce que ta chair est affectée, ton âme a tendance à décider. That's right. Donc, tu dois bypass ton âme en élevant ton esprit, en priant en langue. Ouh. Pour que la prière que tu vas faire ne soit pas une prière qui est influencée, est polluée par ce que tu traverses ou par ton âme. Et beaucoup de gens, les prières que nous faisons, ce sont des prières qui sont remplies de nos douleurs. Ouais. Et ces prières-là ne trouvent pas grâce devant Dieu. C'est vous vous étonnez que pourquoi j'ai prié et Dieu n'a rien fait. Il n'a rien fait parce que ta prière n'est pas une prière qui est inspirée par l'esprit, mais c'est une prière qui est remplie d'émotions et de douleur. My life. Apostle, that right there. Parce que apostle, that right there, c'est comme ça nous tous, la mage, beaucoup de chrétiens, nous nous retrouvons dedans. C'est quand on décide d'aller prier, c'est quand on est dans des pleurs, dans la confusion, quand ça fait mal, tu te dis que c'est dans ce moment ici, je vais partir me réfugier dans close to God and I'm gonna go cry to God. Ou bien apostle, c'est parce qu'on nous dit, quand on dit va prier, va chercher Dieu, quand tu es en train de traverser l'adversité, but they don't tell us when. C'est le when après ce qu'on nous dit pas. On nous dit pas que non, il faut attendre que quand tu as fini à pleurer, quand tu as fini, you're done feeling bad about your situation, quand tu es toujours dans la chair et dans les émotions, c'est juste après ça. Le contraire, on nous dit juste, va prier. Bon. Ça veut dire que tu dois comprendre, Grace, que
La chair n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Ouais. Donc, il n'y a aucune décision que tu vas prendre pendant ton moment de crise mm-hmm. qui te sera bénéfique. Parce que déjà, l'âme est affectée. That's right. Tu comprends un peu. C'est yeah. pour ça qu'il dit, et priant par le Saint-Esprit. Ça veut dire que pendant que je traverse cette situation, j'ai besoin d'un stimulant. Yes. J'ai besoin d'une force. Yes. Ouais. J'ai besoin d'avoir ma paix. Ouais. Le seul moyen de faire, c'est de commencer à parler en langue. Yes. Parce que quand je commence à parler en langue et que je prie en esprit, yes. c'est mon esprit qui prie. Yes. Et c'est l'esprit qui donne vie. Yes. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends ouais. le verset qui dit, yes. si l'esprit de celui qui a ressuscité oui, Christ oui. habite dans vous, yes. vos corps, il donnera Romain la 8, vie. Romains 8, verset 11. Yeah. Il donnera la vie à vos corps mortels. Yeah. Donc, yeah. ça veut dire que dans la situation, je n'attends pas de me sentir bien oui. avant de prier. C'est parce clair. Que le moyen de se sentir bien, ça commence d'abord par prier en langue. Mais lorsque je ne prie pas yes. et que j'attends de me sentir bien d'abord avant de prier, yes. j'allonge mon The temps. Process. C'est pour ça qu'une histoire d'un voyage de 3 jours finit par devenir 40 ans. 40 ans. Parce que dans le processus, j'ai murmuré. That's ouais. right. Au lieu de prier. Prie. Tu comprends un peu? Yeah. Donc, quand je commence à prier en langue, mon esprit s'élève au-dessus de mon âme. Amen. Et donc, l'âme ne peut plus influencer ma décision. Right. Non. C'est l'esprit qui va maintenant influencer au ma décision. Je commence à prier en langue. Merci est-ce que tu comprends Seigneur. Un peu? Merci et c'est le problème des oints. Yes. Parce que nous, les oints, yes. on se dit, mais attends, moi, je suis un homme oint. Comment avec cette onction, je peux me sentir aussi seul? Yeah. Mais lis bien ta Bible dans Luc 4. La Bible dit « conduit par le Saint-Esprit yes. ». Jésus fut conduit dans le désert. Yes. Ça veut dire qu'on a l'impression que parce qu'on a l'onction, pour répondre à ta question, yes. on ne va pas traverser un certain nombre de choses. Mais il faut que vous compreniez que l'onction, là, ce n'est pas venu simplement pour que tu show off à church, pour que tu viennes démontrer que Dieu est avec toi. L'onction, souvent aussi, elle est là pour te supporter, pour te permettre de supporter l'épreuve dans laquelle tu vas partir. Donc, plus tu es loin, plus tu dois être en mesure de pouvoir être calme quand la situation arrive. Amen. C'est pas là qu'on reconnaît l'onction. Amen. C'est un loin de Dieu, pas parce qu'il fait tomber tout le monde le dimanche et quand lui il a des problèmes, il gâte tout. Non, mais il est loin parce qu'après avoir prêché aux autres, yes. lui-même il se prêche. That's right. So. Tu comprends un peu? Yes. Donc, on m'a dit, non, mais pourquoi ils sont en gaspillé mon message dimanche? Non, parce que c'est le Saint-Esprit plus rien qui t'encourage. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit va... C'est le Saint-Esprit qui nous prépare, qui nous prépare pour le dimanche. Il renouvelle chaque matin. En réalité, c'est ça. Tu comprends un peu? Yes. Et vous ne pouvez pas dire que parce que vous êtes loin, vous ne... Non. L'onction, là, elle est avec vous quand vous servez les autres. Elle est aussi pour vous lorsque vous vous soumettez à elle. Merci, c'est Seigneur. Pour ça que dans vos faiblesses, vous voulez vous appuyer sur Paul. Yes. Paul a dit sur la parole de Dieu qui dit, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Yeah. Yeah. Je suis fort pas parce que j'ai eu la capacité physique de réagir. Non. Mais il y a une paix qui surpasse toute intelligence qui vient habiter mon âme. Yes. Et qui dit à mon âme, faut te calmer. Yes. Qui dit à mon corps, c'est vrai, ça fait mal. Il sent la douleur. Yes. Mais tu commences à parler en langue. Oui. Et c'est la seule chose que tu fais sans aller à la gym, sans payer des millions. Oui. Mais c'est la seule chose aussi qu'on ne fait pas. Vraiment. Si. Vraiment. Because sometimes God's simplicity is confusing, Apostle. Parce que c'est gratuit. La simplicité de Dieu. C'est tellement gratuit que même ça nous fatigue. It makes sense. Tu comprends un peu. Yes. Et c'est là où j'ouvre une parenthèse, bon, grâce. J'ai découvert que pour être fort, faut pas marcher avec des gens qui ont toujours besoin de toi. Oh, can you repeat that again? If you want to be strong, yes. Don't work with people that need you. Oh God. They cannot feed you. No. They cannot give you anything. No. You just give it to them. Yes. And at some point, you'll be empty. Yes. So you need to work Every with people that can feed you. Yes. Tu comprends un peu? Des gens qui peuvent te challenger. Yes. Des gens qui peuvent te pousser à lire plus, à sortir de ta réserve. Yes. Mais lorsque tu restes avec des gens qui sont toujours en train de se plaindre, yes. ça va finir par te contaminer. That's right. Tu comprends un peu? Yes. Et tu ne peux pas être fort lorsque tu es entouré des gens qui sont faibles. That's, oh my God. But, also, wait, but, you know, we need you though, because you know what I'm saying? Like, we always complain to you.
you and where the you see that when you complain I don't talk, I listen. C'est very tough que tu viens de dire. And I'm laughing in my spirit, say, look at this, look at God, look at regarde les chrétiens là. Regarde les chrétiens. Et un petit truc arrive, c'est comme si Dieu n'est plus au contrôle de ma vie. Mais non, il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve ma force. Donc ma force, c'est pas ma possibilité de réagir. Ma force, c'est d'être calme, d'analyser la situation et dire au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que maintenant, je me sens incapable et je m'appuie sur toi. Dieu se sent honoré. Regarde par exemple, pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas riches. Je vais te donner un exemple bien simple. Je vous l'ai dit. Can you explain? La récompense. All right, everybody, pay attention. This one is important. Donc, je disais que pour être fort intérieurement, tu dois marcher. Tu dois marcher avec des gens qui sont forts. J'ai remarqué que plus tu marches avec des gens faibles, tu deviens faible. That's right. Et arrivé à un certain moment, on ne choisit pas sa famille, mais on doit choisir les gens avec qui on marche. Si tu veux marcher avec des gens qui n'apportent rien dans votre vie, ils vont être un problème. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne plus répondre à tout. Parce que si te répondre va me faire gagner le combat, pas la guerre, à quoi ça sert? Come on. You're spitting fire, Abuso. You're spitting fire. Because I'm going to try to explain myself to you when you cannot add anything to my life. Come on. Je préfère garder mon énergie. Come on. And go fight for something bigger than that. Come on. I'm not going to waste my time in stupidity. I'm sorry. Come on. You know? Come on. J'ai besoin de m'entourer des gens qui vont me dire, écoute, j'ai traversé ça. J'ai traversé ça. C'est que tu vis là. J'ai vécu ça. Mais voilà comment j'ai vécu ça. Amen. Mais je marchais des gens qui vont se plaindre parce qu'aujourd'hui, tu ne leur as pas souri. Aujourd'hui, non, bro. I just want to be rich. I don't have time. But so can you tell us that part too? Blow. Voilà ce que je veux dire. Yes, I was so. Quand Paul dit, par exemple, que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Oui. La grâce de Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Amen. On a eu tendance à croire que c'est par notre travail qu'on devient riche. C'est ça qui est l'erreur. Oh, wow. C'est ça qui est l'erreur. Ça veut dire que travailler, c'est une bonne chose. Oui. Yes. Mais t'appuyer sur Dieu est mieux. Amen. Je te donne un exemple. Amen. Pasteur Moses, tu te rappelles quand Moïse avait des difficultés avec le peuple. Oui. Il a écouté son oncle Jéthro, son beau-père. Yeah. Jéthro lui dit, prends des gens, que tu vas établir. Oui. Mais malgré tout ça, Moïse était toujours fatigué. Wow. Maintenant, Moïse va vers Dieu et Dieu dit, choisis 72. Je mettrai mon esprit, ton esprit sur 72. Come ça veut on, dire que Jesus. Ta solution à toi sera toujours limitée. Yes. La solution de Dieu, là, c'est ça qui va répondre à ton problème. Amen. Quand tu lis le psaume 1, il dit quoi, le psaume 1, Jean, s'il te plaît, rapidement. Il dit Heureux. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Amen. Et qui ne. Il dit qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Yeah. Verset suivant, il dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Allons-y. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants qui, comme la paille, se collent que le vent dissipe. Ça veut dire quoi? Il dit que celui qui se confie en l'Éternel, je ne sais pas si tu comprends un peu. Yes. Le vrai problème là, c'est la confiance en l'Éternel. C'est pour ça que la maturité est importante. Amen. Parce que se confier en l'Éternel va dire que tu ne dépends pas de tes propres aptitudes, même à faire les affaires. Oui. Amen. Oui. Tu vas toujours te remettre en arrière et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Amen. C'est en cela que maintenant Dieu, il va faire prospérer ce que tu fais. Amen. Parce que justement, c'est lui qui est devant, c'est pas toi qui es devant. Amen. Mais aussi longtemps que tu t'es dit que oui, tu es intelligent,
intelligent, tu travailles, you're smart, you do that. Tu limites la main de Dieu et tu réduis un salaire. My God. Bonjour. Je vais chanter, je peux pas une série sur la richesse. Wow. Amen. Si tu comprends un peu. Amen. Donc c'est ça. Amen. En réalité, tous les combats de nos vies, yes, c'est des combats où l'ennemi veut prendre le contrôle sur nous. Oui. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que c'est vrai, j'ai la grâce de Dieu. Yes. Mais la grâce ne m'emmènera pas partout. La grâce a besoin de mon commitment, yes, pour m'emmener là où Dieu veut m'emmener. Amen. Dieu me fait grâce. Il, yes, me donne la capacité de vaincre ce que de moi-même je ne pouvais pas vaincre. Amen. Il me donne la force de pouvoir résister là où je ne pouvais pas résister. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Donc, maintenant, c'est moi qui décide. Yes. C'est pour ça que la Bible dit, voyant, yeah, la joie. Hébreu, ouais, 12, verset 26, tu as cité dimanche. Il y a Hébreu 12. À partir du verset 24 au verset 26. Hébreu 12, non. Bon, il y a le 12 où on parle de Jésus, verset. Non, où la Bible dit qu'il n'a pas regardé la souffrance, la joie, ouais, qu'il était. Attends, je trouve ça rapidement. Bon. Hébreu 12. Bon, le dimanche, tu as utilisé le cas de Moïse, mm-hmm, mais au chapitre 12, 1 à 3, mm-hmm, 1 à 2, mm-hmm, on parle de Jésus. Mm-hmm. Regardons le 12. Ok, regardons le 12. Verset 1er. Ok. Hébreu 12, 1, verset 1. Nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Verset 2. Verset 2. Voilà. Ayant le regard. Ayant le regard. Voilà, c'est ça. Il dit, ayant le regard sur Jésus, le chef consommateur de notre foi, qui, Jésus, mm-hmm, en vue de la joie qui lui était réservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la grâce, il, yes, est Jésus. Yes. Mais il y a une récompense, wow, qui lui était réservée. Yes. Il a accepté de souffrir la croix. Yes. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de la récompense, yes, que Dieu devait lui donner, yes, qui allait lui donner le nom qui est au-dessus de tout, yes, le nom, pour que au nom de Jésus tout genou fléchisse. Amen. Il a accepté de souffrir la souffrance dont il a souffert. My God. Tu comprends? Yes. Donc avec Dieu, le système de récompense nous donne de nous élever dans le royaume à différents niveaux. My God. C'est pour ça que vous allez voir que tout ce que Dieu a récompensé, c'est des gens qui ont fait des sacrifices. Oui. Amen. Et comme je disais mercredi dernier, lorsque votre vie de sacrifice s'arrête, yes, que ce soit comme à votre niveau d'Abraham, personnel, comme, yes, dans le cas d'Abraham, vous n'êtes plus en train d'avancer. Amen. Dans le royaume, on avance par sacrifice. Amen. Le sacrifice est la monnaie d'échange, ouais, dans, ouais, le royaume. Amen. Donc, quand vous voulez grandir dans la connaissance, vous devez payer un prix. Yes. Quand vous devez grandir dans la puissance, vous devez payer un prix. Yes. Donc, le sacrifice nous accompagne partout dans le royaume. Amen. Sans sacrifice, on est limité. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Sense. Voilà. Et c'est pour cela que Dieu établit maintenant le système de récompense. That's donc, right, on a la grâce qui est avec nous. Yes. Et parce qu'il y a des récompenses devant, oui, maintenant, on accepte le sacrifice. Amen. Oui. C'est si tu comprends. That makes sense. Voilà. Yes. Parce que si tu veux compter seulement sur la grâce peut t'emmener quelque part. That's right. Elle est toujours puissante. Yes. Tu t'appuies sur Dieu. Mais si tu ne fais pas d'effort, comme Paul l'a dit, j'ai travaillé. Yes. Donc, la grâce sur ta vie ne doit pas être vaine, non, par les sacrifices que tu vas faire. Oui. Amen. Ça veut, oui, dire que ce que tu n'étais pas capable de faire avant, oui, la grâce te donne la capacité de le faire. Oui. Maintenant, amen, il faut que tu aies la volonté pour faire. Yes. Yeah. Yeah. Tu ne vas pas dormir pour dire, oui, j'ai la grâce de Dieu, alléluia, amen. Non. You know? Mais c'est ce que, that's what we do, though, right, apostle? C'est ça. Et c'est pour cela qu'on a besoin de maturité. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Grandissant avec Dieu, tu dois arriver à un niveau où non seulement tu peux accepter l'épreuve que Dieu met devant toi. Oui. Vous savez, quand on parle d'Apocalypse de Jésus qui avait deux natures, oui, il était en même temps un agneau, oui, il était en même lion, temps un lion. Yeah. Tu comprends un peu? Il est l'agneau de Dieu. Il est aussi le lion de la tribu de Judas. Il y a des moments où il faut être un lion. Oui. Mais il y a des moments devant Dieu, il faut rester agneau. C'est ça. Le problème, c'est que souvent, nous devenons lion quand on ne doit pas être. Mm-hmm. Et on reste agneau lorsqu'on doit devenir lion. Ah. Et ça fait que notre vie est mélangée. C'est on n'arrive pas quelque part. Tu comprends un peu? Yeah. On doit être des
des deux. Prier pour que le Saint-Esprit nous conduise. Il y a des moments où gagner n'est pas nécessaire. Ça, je vous dis la vérité. Yes, il y a des moments où avoir raison, ça n'apporte rien. Tu as eu raison, et puis quoi? Yes. À la fin de la journée, ta raison a changé ta condition. Non. Yes. C'est-à-dire que tu préfères perdre pour gagner. Mm. C'est-à-dire à qui perd gagne, qui perdra sa vie. Ouais, wow. La retrouvera. C'est tout. Yeah. Mais celui qui veut gagner sa vie, il va la perdre. Yeah. Donc, arrivé à certains moments, il faut que tu choisisses. Est-ce que Dieu veut que je sois un agneau? Yes. Mm. Mais l'agneau, il est trop fort. Il accepte ce que les autres ne peuvent pas accepter. Ouais. C'est pas un animal faible, contrairement à ce qu'on croyait. Oui. Oh, wow. Oui. Oh, wow. Come on. Non, c'est Come pas on. Un an dit non, les brebis, elles sont bêtes, elles vont. Non. Come L'agneau on. Produit des choses, une calme et une patience yes, que God. Beaucoup d'animaux n'ont pas. Amen. Yeah. C'est pour ça que Jésus choisit de devenir un agneau. Mm-hmm. Et puis pourquoi il naît dans la mangeoire pour dire aux animaux que vous n'avez plus besoin de vous sacrifier. L'agneau vivant est là, il n'y a plus de sacrifice d'animaux. C'était juste. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et il acceptait la souffrance, il acceptait. C'est-à-dire, il est mort pour tous les autres animaux qu'on sacrifiait. Wow. Tu comprends un peu? Wow. Donc, il a accepté de devenir l'agneau. Wow. Juste pour dire que vous devez pouvoir discerner dans ce moment précis, dans le problème où vous êtes, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Amen. Et ce manque de croissance-là fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous tuent nous-mêmes. Right. C'est pour ça que Paul a dit, quand je suis devenu un enfant, ça veut dire que je dois pouvoir discerner les réactions des enfants. That's right. Je dois pouvoir reconnaître comment un enfant pense. Yes. Mm. Je dois pouvoir savoir comment un enfant réagit. Right. Et puis moi-même, je m'en débarrasse. Yes. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus la nature d'enfant en moi. Yes. Elle sera toujours là. Yes. Mais une chose est sûre, c'est que je refuse que ça prenne le pas dans mes décisions Amen. Et dans mes actions. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. So, je dirais même, il n'y a pas de décision à prendre dans cet état. Il faut plutôt se remettre à Dieu. C'est Amen. Tout. So I guess, Apostle, what you're really trying to say is that you need to also understand when to be a child. Parce que je sais qu'il y a quelque part dans la Bible où le Seigneur nous demande aussi d'avoir le cœur d'un enfant. Is that even related to what you're just saying right Grâce now? Grâce l'état arrivé. Non, mais okay, sorry. All right. Also, well, anyway, so thank you, everybody. Thank you guys for watching. Thank you, thank you, thank you, thank you. Make sure you do share. This Bible study, partager le Bible study. Le réécouter. And if you miss Sunday's message, it's going to be difficult for you to understand ce que l'apôtre et le docteur Moses sont en train de nous expliquer aujourd'hui. So, do not forget weekly activities. On a la prière le vendredi à 19h30 et le culte c'est dimanche à 10h30. Oh, we changed time? Okay. Nice. 10h. Okay, because it says 10:30 on the flyer. Sorry. Okay, my bad. So service is at 10 o'clock on Sunday. Make sure you do come to service on Sunday. And do not forget to give your offering to the Lord for today's word. And make sure you guys are blessed. Apostle, Pastor Moses, if you guys give us your last word. And Apostle, if you can close us into prayer. Après tout ce que le bishop vient d'expliquer, je voulais... Dis à ceux qui traversent des moments difficiles de se rappeler cette parole de Jacques, en Jacques 1, le verset 12. Je crois que le bishop l'a mentionné dimanche aussi. C'est que dans notre épreuve, nous devons continuer patiemment avec le Seigneur, car à la fin, il y a une couronne qui nous est donnée. Amen. À vos soins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses. Grandissons. Voilà, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour la révélation. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui nous ont suivis ici dans cette salle et aussi sur Internet. Père, réveille en nous quelque chose et donne-nous de ne pas laisser Satan gagner. Au nom de Jésus. Seigneur, ces positions de victime, Seigneur, nous les refusons au nom de Jésus. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous voulons prendre une position de victoire malgré l'adversité. Malgré les combats dans lesquels nous sommes, nous refusons de sombrer, nous refusons de nous abattre, mais nous voulons continuer à marcher, peu importe ce que l'ennemi fera, parce que nous savons qu'il
il essaie de nous bloquer par rapport à là où nous devons arriver. Amen. Père, nous te faisons confiance. Nous voulons apprendre davantage avec toi. Bénis tes serviteurs. Bénis grâce. Bénis Pasteur Moses. Souviens-toi de ton église et que ta grâce surabonde au nom sur de nos Jésus. Vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Thank you so much and have a great week.